Salut à tous, c'est Brady. Alors, on se retrouve sur le jeu Narcos, un jeu de stratégie au tour par tour. Hein. Alors, il est sorti sur PC, sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur Switch. Il est sorti le 19 novembre 2019. Alors, c'est un jeu un peu comme XCOM. Hein. Bon, après, il n'y arrive pas à la cheville, honnêtement. Hein. Alors, vous pouvez jouer. Il est tiré donc de la sortie de Narcos, hein, qui est sur Netflix. Et donc vous pouvez jouer soit pour la DEA, soit pour le cartel, le fameux cartel colombien. Donc on va le tester maintenant. Alors donc vous pouvez jouer avec Narcos et donc enfin avec la DEA. Et si vous débloquez donc la campagne DEA, vous pourrez jouer avec Narcos. D'ailleurs, on voit que je ne l'ai pas débloqué. Alors, on va commencer par la DEA. Allez, c'est parti. El patron, nous sommes des bandits. Welcome to Colombia, agent. Welcome to a war. Information, evidence, and firepower are the tools of a war. We need to use them all to defeat our enemies. The building ahead has been identified as Narcos Safe House. Investigate the area and see what you can find. C'est du tour par tour. Pardon. Alors, on est. Donc on est dans la peau de Murphy. Passport, photos, travel documents, contact details. It looks like these guys are planning a delivery over the border. One of my men has eyes on some local criminals. Take this intel over to him and see if there is a match. Meet him at the mark area, but do not engage any targets until we have confirmation. Ouais, je les ai récupérés, c'est bon. Bon. Allez, on va aller se positionner. Donc, bah, le but, hein, c'est de gagner de l'argent. Et donc, bah, c'est soit pour soigner vos unités, soit pour les améliorer. Et donc, va falloir vaincre le cartel colombien. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que ben, on a le droit qu'à une action par tour, hein. Donc c'est un peu galère. On va essayer de. Get into position. Voy por el camino. ¿Ah?
On it. ID confirmed. That's the piece of shit we're looking for. Let's take him in for questioning. He isn't likely to come quietly. So take him down if necessary. Better him than you. Get into position. On va faire quoi après? Sans se faire descendre. Voilà. Je me suis allumé direct. Je peux même pas le tuer, tirer dessus. Alors je peux me servir que d'un personnage. Oh bah là il va m'allumer direct. J'ai pris cher pour rien en fait. We're pulled. We really stirred up the Viper's nest now. I'm sending a tactical team to walk you up. Neutralize the remaining targets and get out of there. 2 contre 10 millions. Alors ça c'est le tir de contre-attaque. Il a reçu des renforts apparemment. Enterado, lanza. Recargando proveedor. Enterado, lanza. Listo y atento. Tout naze. Voilà, c'est fini là. Ah, ils sont vraiment nuls, hein, franchement. Hein? Comme ordonné? Si, le copio. Hein? Yeah. Steady hand. Duck hunting. On it. Ah mais sérieux. Il l'a même pas eu. Hein. Bon alors toi tu vas revenir en arrière là parce que ça va pas là. Voy por el camino.
El boiteux, Esteban. Muy bien, ahora recarguemos el proveedor. Como ordene. Sí, señor. Preparado. Son vraiment tout naze. Hijo de putas mal paridos. En avanzada. Ah, on peut pas faire mieux là, si t'arrives pas à la voir, franchement. It was hell of a job. Well done, agent. Steve Murphy, DEA. And that there is my partner, Special Agent Pena. Believe it or not, he's pleased to see you. Unlike these guys, Medellin Cartel. Public enemy number one, El Patron. So where are we at? America's snorting coke like it's going out of fashion. Medellin Cartel has increased productivity to make sure everyone gets a fair share of this nose candy. There are restrictions in place on the DEA overseas, so game over, right? Wrong. You ever heard of search block? Of course you haven't. That's because we created it especially to target these bastards. Colonel Carrillo is one of the leaders. He hates the narcos and wants to put them behind bars. He's dedicated. The narcos have built themselves an army, but then so have we. And it's time to send them to work. Pick off those rats one by one until we clean the country of vermin. Oh, word of warning. Watch out for poison. Bon, on a le droit à toutes les à certaines cinématiques hein, de la série. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Surtout si vous êtes fan de la série. C'est ce qui va vous plaire le plus dans le jeu, je pense. Chambre de guerre. Bienvenue dans votre chambre de guerre. Jetez un œil à la carte d'ambassadeur qui va expliquer ta première mission. Ok. Welcome to Columbia, agent. We're hoping your skills and experience will help us with our problem down here. We suspect a drug cartel has been manufacturing cocaine and smuggling it out of the country. We need to get on top of things before we lose control. You need to recruit some men and get them trained fast. I've allocated your department a budget. It's not much, but if you want more, I need to see some results. All right. Let's start turning over some stones. See what bugs we find. We need to move fast if we're going to make a dent down here. Donc là, on peut choisir son équipe. Donc c'est pour ça, faut gagner de l'argent en fait en réussissant les missions. J'aurais bien aimé débloquer Narcos, enfin le côté Narcos pour qu'on voie un petit peu. Mais bon. Le jeu
me passionne pas plus que ça, honnêtement. Mais bon, fallait quand même que je le teste, vu que je l'ai acheté. Et bon, en tout cas, moi qui est fan d'XCOM, je trouve pas trop que ça y ressemble, hein, honnêtement. Alors, ce qui est le plus chiant, c'est justement qu'on peut... qu'on a qu'un tour, enfin que pendant un tour on est limité en action surtout. Alors, je vais regarder où ils sont. Ouais, ils sont là. Bon, ouais, pas le choix. Alors, là on peut pas non plus. Mitrailleuse, hein, on va le mettre là. Estoy presto. Je l'avais même pas vu lui. Le gusto eso, papito. Listo y atento. Obligando al enemigo. Taos de baja. En tout cas, ils prennent cher à chaque fois. Hein. Ouais, je peux en contrôler qu'un, alors c'est chiant. Oh, lui, je crois que je vais le laisser là. Je vais le mettre là. A la carretera. A su ser. ¿Qué qué? Se piró. Estoy presto. ¡Enemigo bajo el fuego! ¡Inmovilizados! Bon, au moins, il peut récupérer, c'est déjà ça, mais bon. Enterado, lanza. Ce qui est vraiment chiant, c'est que je peux en déplacer qu'un et mon tour est fini. Donc ça, je trouve ça vraiment débile. Je trouve ça vraiment, vraiment nul. Ah, si je veux. On va essayer de le rapprocher. On est. À son service. Essayer de rapprocher les autres maintenant. Seguro. Lo perdí. Mierda. ¿Qué? ¿Eh? Ya. Yeah. No me sale. Eh, à bout portant, allez. Que?
Enterado, lanza. Listo y atento. Ouais, ouais. C'est vraiment dommage que je peux me servir que d'une unité par tour. Alors là, je comprends pas le concept. Franchement, un jeu de tour par tour, normalement, quand on a une équipe, on peut bouger toute son équipe. Et du coup, on a gagné. Dépenser de l'argent pour les soigner. Alors, quelques. Our first big success. Drugs seized, men arrested, intel gathered. This has turned some heads upstairs. We need to press home our advantage. This is good news. The higher our approval rating, the better leads we get from those nerds in the intel department. And more money means more manpower and better training. We have new recruits already waiting to sign up. Donc on peut les améliorer. Dix-huit mille. D'accord. Bon. Bah, je vais prendre lui, hein. Allez, go. I may have intercepted a shipment. These guys won't come quietly. Secure the area with lethal force if necessary. Alors, changer l'équipe, hein. Je vais prendre. Ah, je peux pas le prendre en plus. Murphy, ouais, il sert pas à grand chose, hein, mais bon.
du coup, je suis obligé de le laisser. Bon, allez, hein. Déploiement. Entrao, lanza. Position. Presto y a la orden. Bien. ¿Qué qué? Listo y atento. Todos a la carretera. En posición. Lo agarré. J'avais même pas vu qu'ils étaient sur le toit. En position. Ay, juego. Ni lo piense, mi perro. Il l'a même pas vu. Bajo el fuego. Alcanzado. T'as bougé mes unités du bas là parce que. Enterado. Listo, mi lanza. Yeah. Steady here. More ammo. Listo, mi lanza. Alors, comment je fais pour monter là-haut? Je prends par là, je pense. Filmativo. Voy por el camino. ¿Hay alguna orden? No me sale. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Oh, voilà, les deux! Esperando sus ojos. ¡Sí! ¡Narcos dados de baja! Elle a pris cher.
Il a pris cher. Sure. A su ser. ¿Qué? Listo y atento. Sure. On it. Get into position. Oh, il est à bout, elle a plus d'armes. Bien. Voilà, je sais même pas ce qu'il m'a fait là. Elle est morte là. Même pas. Ok. Entrado, lanza. Ah, c'est la merdasse. Il m'a bien fumé là. À son service. Je vais. Tengo que recargar. Bien joué, mais bon, on en a perdu un quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Le gars il se prend des balles de Uzi, il meurt même pas. Il est trop fort. Get into position. Ah puis je l'ai loupé. Ah ouais putain merde. Qu'est-ce qu'il est fort, Murphy. C'est un bon, on va le garder, je crois. Il a tout ce... Ouh, il a pris cher. Là. Vu qu'il y en a un autre là. On it. Et il boite aussi lui. Jesus. Que? Listo y atento.
carretera. Ah, vu qu'on peut en bouger qu'un à la fois, c'est la galère, quoi. Franchement, hein. Même s'il reste que lui à battre. Seguro. On va le mettre en position de vigilance. Podemos hacer un buen trabajo con esto. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'on la caméra, elle est pas terrible quand même. Sure. More ammo. Et il veut pas bouger de là. Voilà, comme ça on va soigner l'autre, hein, Murphy. Hein. Elle sort de ton trou. Voilà, comme ça il est guéri totalement. Alors, on va s'occuper des autres en même temps vu qu'il veut pas sortir. Ça me coûtera moins. Ah. Yeah. Affirmativo. ¿Qué? Recargando proveedor. C'est marrant que lui il swag pas par contre. Enfin le narcos. Listo y atento. Hein? Bien. Okay. À son service. Voilà, ils y sont tous là. Ils sont tous. Listo y atento. Allez. Seguro. C'est ta fin, mon ami. La mission du cartel. Bon, pour l'instant, c'est relativement facile, hein, mais bon. Unité perdue, une quand même. Hein. Well done, you're making waves, agents. Bon, alors faut que j'en recrute un autre vu que lui il est mort. Démolition. Allez go.
aura le temps d'en faire une petite dernière, j'espère. We've got news of a meeting downtown. This is solid intel on big players in the area. Check it out. The bean counters won't sign off any more budget until we've hooked a biggie. Let's get down there and bring them in for questions. You need to wake up and smell the coca, agent. These guys would rather take a bullet than talk to a gringo like you. Don't expect a friendly greeting. They say that there's nothing more dangerous than a woman scorned. I can go with that, to a certain degree. But I reckon there's nothing more dangerous than... Il y en a des petits chargements. Seguro. Je l'ai loupé. Ouais, elle l'a même pas eu. À son service. Il fait mouche pas. Comment c'est ça? Je vais. Tengo que recargar. Seguro. En posición. La puta. Voilà, il va l'avoir. Mierda! Il me dio, il me dio! En position. Maldito! Todos, a la carretera! En position. Tráguese eso. Bien joué, Hernandez. Seguro. Me voy. Tengo que recargar. Ah ouais, d'accord. Ah, je l'avais pas remarqué ça. J'avais pas vu qu'ils sont là. Todos,
Ça a un chiant de pouvoir en bouger qu'un à la fois. Il est mort. Il est mort. Ouais, j'ai pas le choix. Estoy presto. Hostigando al enemigo. Soy bajo ataque. Listo y atento. Enterado, lanza. Bajo tierra, cabrones. Avanzando, lanza. Recargando proveedor. Oh, la catastrophe. La catastrophe. Si j'aurais pu déployer tous mes soldats, ça serait pas passé comme ça. Franchement, c'est vraiment un gros point noir du jeu, c'est de déplacer qu'un seul bonhomme à la fois. Alors là, franchement, il y en a encore un autre qui est là. Allez, bah, je vais essayer d'atteindre les objectifs comme ça, mais... Estoy presto. Ah, ils peuvent y aller comme ils veulent, tant pis. Oh, c'est mort. Puis l'autre là, m'a achevé direct. C'est mort, barré. Il m'en reste combien? Il m'en reste deux. Allez, hein. Essayer de... Ah d'accord, ok. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir déplacer tous mes bonhommes en même temps, quitte à que ça soit pareil dans le camp adverse, hein. Mais là, c'est ennuyant même. Get into position. Alors l'autre il peut y arriver direct. Alors il est où l'autre déjà? Il est là. On est. Ouais, il m'allume hein. Bien. Enterado. Voilà, c'est la merdasse.
Alors du coup, bah tu vas te mettre là, mon gars. Recargando. Il vise à travers les murs, hein, quand même. Hein. Il est fort. Sure. Steady here. Position. Affirmativo. Enterado. Ah, c'est trop fort, hein. Je peux même pas le toucher. Good stuff. Je suis obligé d'aller là pour le toucher, quoi. Get into position. Y'a que Murphy qui peut sauver l'affaire. En plus, il me reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il est fort, Murphy. Bien que je mange mes collègues quand même. Je sais même pas si je vais avoir le temps de finir la mission. Juste. Ça va être juste. Alors, on va tenter le tout pour le tout. Il va pas me louper, par contre. Lutte à mort. Bon, est-ce que c'est fini? Bon, alors, reste encore. Quand il n'y en a plus, on a encore. Ah, il y en a encore en bas. Get into position. Ah, on a vu, c'est perdu, mais bon. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul.
Really? Et on l'a perdu. Bon, en tout cas, que dire de ce jeu? Franchement, il y a vraiment des gros points noirs. Moi, bon, après, c'est sûr que si on est fan de la série, on va voir quelques petites cinématiques, tout ça. Mais alors, c'est pas du tout d'un niveau d'un XCOM. Pour du tour à tour, c'est vraiment, je dirais, tout naze, hein, tout simplement. Hein. Quand c'est pas bien, de toute façon, vous savez très bien que dans les tests, je le dis. Alors, personnellement, quand je l'ai acheté, moi, je me suis dit, ouais, ça doit être bien, on va pouvoir faire du trafic, on va pouvoir faire... ça va être une sorte de RPG à la Narcos. Bon, là, on peut faire évoluer un petit peu nos bonhommes et tout. Pour les soigner, il faut payer. Il faut gagner un peu d'argent. Alors, j'ai pas testé le côté Narcos. Hein, j'ai testé que le côté DEA. Mais bon, ce jeu-là, il va pas me donner, va pas me donner envie d'aller plus loin. Donc, personnellement, je vous le recommanderais pas. Hein, surtout si vous aimez le tour par tour. Vous avez bien vu, on peut déployer qu'un seul bonhomme par tour. Donc je vois pas l'intérêt. Le tour par tour, logiquement, quand on a une équipe, on peut tous les déployer. Là, du coup, vous avez bien vu, hein, c'est pas facile à jouer. Franchement, voilà. Je peux pas vous le recommander. Et pourtant, souvent, de toute façon, hein, les jeux qui sont tirés des films, en général, c'est pas terrible, à part Spider-Man ou des choses comme ça. Sont vraiment des gros triple A, mais alors les jeux comme ça à déconseiller. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.